À côté d'Épinal, dans les Vosges, cette entreprise est en pleine croissance. Michael Frémaux, 23 ans, y est en apprentissage depuis 3 mois. Ah, des fois, ça peut arriver, mais il n'y a aucun problème là-dessus. D'accord. C'est une ouvrière expérimentée, Maggie Guillot, qui lui apprend le métier. Conduire des machines à tricoter pour fabriquer des bas de contention. Et quand tu vois comme quoi elle est bien sale ta tête, n'hésite pas, vaut mieux que tu la nettoies déjà. L'entreprise recherche du personnel, mais faute d'école de textile, elle a dû mettre en place son propre système de formation. Ça va vite, ça fait du bruit, on ne sait pas vraiment vu qu'on n'y a jamais été. Et ça fait peur, mais petit à petit, la formatrice est là pour nous soulager. Avec la formation là, forcément, ils vont espérer d'être gardés et surtout de pouvoir signer un CDI. C'est surtout ça. Spécialisée dans le textile médical, l'entreprise prévoit d'embaucher 40 personnes dans les 2 ans à venir. Le produit est de haute technicité et le tutorat interne, un élément essentiel de sa stratégie. Ce qui est quasi exceptionnel en fait. Oui, on a du personnel qui arrive sans formation, du personnel formé, mais on a besoin de mettre en place ce tutorat pour les amener à un haut niveau de compétences que nécessitent nos produits.